promis, je viens vous faire une revue sur des produits de Dani Carapa que j'ai reçus en test. Je veux dire, j'ai fait un test pour vous. Voilà, je ne les ai pas payés les produits. Je préfère commencer par là. Donc, si vous voulez et que si par la suite ça vous intéresse, je vais vous laisser tous les contacts de Dani Carapa en bas des formations. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vendent les produits par pack et les packs sont ciblés. Donc, ça peut être un pack booster, ça peut être un pack contre les pellicules, ça peut être un pack contre les démangeaisons. Donc c'est selon vos besoins. Le pack que j'ai reçu est composé de quelques produits, donc le beurre de karité avec différentes variantes. Je ne les ai pas tous sortis. Là c'est le karité à l'avocat. Ensuite le karité jojoba. J'ai le karité nigel carotte. J'ai mango coco également. Alors les beurres, les chantilly, je ne les utilise pas pour ces déshydratations. Je les utilise dans mes soins parce que moi j'ai une faible porosité, donc je ne sais pas l'hydratation avec les beurres ni les chantilly. Je sers avec des huiles légères. Ensuite dans son pack il y a 4 huiles, dont l'huile booster, c'est celle-là. Je l'ai transférée dans ce flacon pour que ce soit pratique à l'utilisation. J'ai fait pareil pour l'ortie. Bon, mais j'ai un peu pistolé pour l'ortie, huile à l'ortie piquante. C'est les deux huiles que j'ai reçues pour stimuler la croissance des cheveux. Et après, l'huile d'avocat, je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'en ai une autre. Donc, l'huile d'avocat, on sait qu'elle contribue également à la pousse des cheveux. Et par contre, il y a l'huile de lotus. Je vais faire une petite parenthèse sur l'huile de lotus. Donc, c'est une huile qui est régénérante, c'est une huile qui raffermit le visage. Donc, elle lutte contre les rides et le vieillissement anticipé de la peau. Elle est très pénétrante. Par contre, je ne l'ai pas utilisée que sur le visage. Je l'utilisais après avoir appliqué le gel d'aloe vera. Parce que c'est tout ce que j'ai fait. J'utilise le gel d'aloe vera et après, je mets une huile là-dessus. Mais c'est l'huile de lotus que j'ai utilisée pendant un mois, donc durant tout le mois de juillet. Après, je l'ai mis quelques fois pour céder l'hydratation sur les cheveux. Mais elle est très pénétrante. Elle pénètre très bien aussi bien nos cheveux. Donc, chapeau, c'est une très bonne huile pour les cheveux également. Pour le visage. Mon chouchou, mon coup de cœur que j'ai eu, c'est la lotion à la menthe poivrée. C'est une lotion qui va venir hydrater le cuir chevelu en profondeur. J'ai gardé une hydratation pendant 3 jours maximum durant le mois de juillet. Je n'ai pas beaucoup hydraté mes cheveux, mais bon, ça c'est moi personnellement. Je ressens toujours le besoin d'hydrater mes cheveux tous les jours. Sinon, avec la lotion à la menthe poivrée, je n'ai pas besoin d'hydrater les cheveux. Non, ça m'estimule la croissance, mais elle maintient également l'hydratation. Et qui dit maintien de l'hydratation dit rétention de la longueur. Et pour finir, le savon noir. Ça aussi, c'est ma bête préférée. Le savon noir, je l'ai adoré dans mes shampoings après mes soins. Cheveux hyper doux, cheveux hyper souples. Agréable parfum du savon noir parce qu'on ressent cette odeur du savon noir si vous connaissez l'odeur. Mais franchement, ça a été aussi une belle découverte pour moi. C'est un shampoing au savon noir et à l'huile de coco. Voilà, si vous voulez plus de détails, je vous mettrai son contact. Alors, pour la pousse de cheveux, j'ai été très surprise. Je ne m'y attendais pas, sincèrement, je ne m'y attendais pas. J'ai gagné en un mois. J'ai gagné en un mois 2 cm de pouce. Ça, c'est révolutionnaire sur la pousse de Rosy. Voilà, je suis très 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 contente de la pousse avec principalement le bain d'huile booster. Je ne mettais que quelques gouttes, je n'avais pas besoin de beaucoup et je me massais le cuir chevelu chaque soir. Comment je procédais en fait? Je prenais la lotion à la menthe poivrée que je vaporisais d'abord sur les cheveux et ensuite sur le cuir chevelu, je mettais l'huile booster et je massais. Et puis le résultat, il est là. L'huile à l'ortie piquante, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Je l'ai utilisée peut-être la première semaine. Voilà, je l'ai utilisée la première semaine. Après, j'ai laissé tomber parce que je voulais voir vraiment l'effet de son booster. Et son booster, ça marche. Voilà la petite revue que je venais vous faire sur les produits de Dani Carapa. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Mais sachez que la pousse, on la stimule. Et quand vous stimulez la pousse, il y a des résultats. Ne restez pas les bouts, ne faites rien, vous dites que votre cheveu ne pousse pas. Stimulez, faites des massages, utilisez des ingrédients qui stimulent la circulation sanguine et qui par conséquent favorisent la pousse. Je vous laisse regarder les résultats que j'ai obtenus après
un mois d'utilisation de ces produits. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous. Princesse ennemie de l'État, malgré la guerre et la... Moussa, écoute-moi, cette fille ne vit que pour toi. Moussa, écoute-moi, cette fille ne pense qu'à toi. Moussa, écoute-moi, cette fille est faite pour toi. Thank you.